Parce que UC, c'est ça, mais... Non, mais... Non, faut que je comprenne. Faut que je comprenne. C'est... Ça retourne quoi, ce truc? Mais d'où ça sort? D'où ça sort? J'ai pas compris. Parce que UC UC c'est du HTML. Ok? Si on fait un object keys sur du HTML, le truc arrive à ressortir les fonctions React qui sont associées à au HTML. Mais à quel moment? À quel moment ça marche? Attendez, il me faut la doc de ce truc-là. Attendez, parce que si ça me permet de retrouver des fonctions qui sont liées à du HTML, en vrai, ça peut être la violence. En vrai, il y a 2-3 scripts avec 2-3 sites sur lesquels je vais m'amuser, hein. Alors, je sais pas si ça marche ton truc, hein. On va l'essayer. Mais ça fait quoi ce truc? MDN. La méthode objet1 renvoie un tableau concernant les noms des propriétés propres à un objet qui ne sont pas hérités via la chaîne de prototype et qui sont énumérables. L'ordre de ce tableau est le même que celui obtenu par la boucle for in. Oui, mais c'est du HTML, frérot. Parce que là, je l'ai. Là, je l'ai, object key, je l'ai, mais sur des objets, sur du JSON. Mais pas sur du HTML. À quel moment? JS object keys HTML. Mais quoi? Mais d'où il sort ça? Le mec sort ça de son derche? Et je comprends que dalle. Normalement, ça c'est pour les tableaux. Objectif, c'est pour les tableaux, c'est pour le JSON, c'est pour rémunérer les clés d'un tableau JSON. Mais à quel moment tu t'en sers sur du HTML? Parce qu'il l'a reconverti en node. Faut que je creuse. Ça, faut que je le creuse. Parce que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant sur certaines choses. Putain, ça marche. Et si je le refais? Ok, c'est quoi le truc suivant? On y passe un temps monstrueux, bordel! Oh, c'est ouf!
Je suis obligé de m'aider d'internet là, c'est. Mais ça, c'est pas trouvable autre. Enfin, c'est. C'est pas trouvable autrement que de tomber dessus sur internet, quoi. À quel moment tu te sers de objet de key sur du HTML, quoi? Je savais même pas que c'était possible. Bon, Netscript, tac, blablabla, avant de cette gameplay, ils sont où les source files? Source files. Non, mais c'est pas ça. Les source files. Non, mais si, c'est ça. Mais les mecs sont des teints. C'est l'intelligence collective hein, qui fait que franchement on trouve des trucs sur internet et que voilà mais. Du coup je sais pas quels sont les autres. Mais en vrai faut sortir du jeu en vrai. Pour pouvoir avancer, faut sortir du jeu. Sinon c'est mort. Ah bah, je suis con. Les achievements, je les ai là. On est à 24 sur 96 achievements. On est loin. Ah, et puis il y a les loquets aussi. Ok, donc. Ok. Ah, bien sûr, c'est caché. Bien sûr que c'est caché. En tout cas, là, je vois Noodle, là, dans le truc. Hein. Ça, c'est forcément Noodles. Il y a 10 secrets. Bref. En vrai, le jeu, on peut passer beaucoup de temps à l'explorer. Hein. Bref, mais donc on peut pas voir là. SF. Dix millions de population avec une faction. Putain, la vache. Il y a un truc, si il y a un achievement si j'ai 8 coeurs. On va faire ça. On va faire ça rapidement, ça. Vu qu'on est blindé de thunes. Hop. Voilà. Ah oh bah d'accord, c'est le max. Bon bah comme ça c'est fait. Est-ce qu'on tente de pousser le max en RAM, comme ça on est tranquille? De toute façon en vrai là j'ai déjà suffisamment. Hein. C'est le plus pour le plus quoi. Oh! 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 Ah ouais! Ah d'accord! Ah j'ai pris une claque là! Bon, en tout cas, je m'en débique. Ouais, ça ira pour les factions, moi. Hein. Ça ira pour les factions, ça. AVM. Ah non, AVM, je suis pas dessus. Je suis sur IBAN actuellement. Ça coûte combien le. Ouais, 2 billions, ouais. Hop, juste je vais regarder. Il me faut. Ouais, non, il me faut 75K, je suis qu'à 17K. Donc il faut que je continue à bosser pour eux. Je prends ces deux trucs-là parce que voilà.
Et après, j'irai bosser pour pour AVM. Comme ça, j'aurai le truc avec le script de départ là, qui est sympa. Moi, je trouve ça ouf, quoi. Enfin, c'est. Parce que si. Ça là, ça me flingue. Je vous jure, ça me flingue. Il arrive à récupérer l'event comme ça. Alors là, je devrais. C'est parce que, en fait, le console log, il m'affiche le code HTML, mais derrière, dans le code, ça doit être un HTML element. Et la console n'affiche pas tous les ces attributs-là, en fait. Mais. Mais c'est parce que il est converti en HTML element, le truc. Et qui pour le coup est un objet. Mais de là à sortir ça, mais le mec, me flingue. Puis c'est random le truc, c'est random. Enfin, le nom, il est pas du tout inspirant, quoi. Je veux dire, il est. Tu sais pas ce que c'est, quoi. Bon, enfin, bref, est-ce qu'il y a d'autres. Bon, moi, c'est deux trucs que je voyais, hein. C'est. Un truc là. Après, bon, allez, je continue à parcourir. Continue à parcourir parce que sinon, de toute façon. J'en étais où? C'est quoi ce truc? Alors, c'est le truc avec le loops. Ouais, faut lire le code quoi. Eh ben autant le lire dans le jeu, comme ça au moins vous voyez ce que je lis. Du coup, apparemment il y a un truc avec loops. Vas-y, faut que je retourne dans Webpack. Le point src tap exploit et il y a un truc avec loops. Alors je vais juste vérifier rapidement que c'est le même code que sur GitHub. C'est ça, c'est le même code que sur GitHub. Alors essayons de comprendre un petit peu ce truc là. Pourquoi lui il peut utiliser des 7 intervalles et pas moi? Je peux pas utiliser de cet intervalle dans dans le jeu. Ce qui aurait été méga pratique, en vrai. Ça aurait permis de faire des hacks en parallèle et tout. Ça aurait été ouf. Enfin, plus de parallélisme sur les hacks. Après, je sais pas, vu que c'est des. Comment ça s'appelle?
Oh, des promesses, je sais pas quel comportement ça a avec les cet intervalle. Capir, exploit, include, exploit, tata. Mental. D'accord, c'est autre chose. Mais le tempering. Parce que moi j'ai vu un truc sur le tempering. Où il disait que c'était dans le loop. Player exploit include. Exploit protecting tamping return. Const A égale 55, cet intervalle. A tout exponentiel doit être différent, bah du coup de 55. Si ça arrive. Mais A, c'est quoi? A, oui, A, c'est 55. 55. C'est un nom. Ah! Oh non, oh non! Alors ça, c'est pervers. Ah, oh, ça, c'est pervers. Non, d'accord, ok. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Je connais le truc. Je connais le truc et en plus je voulais l'appliquer avec les tableaux. Parce que je suis tombé sur un bout de code aussi il n'y a pas longtemps qui permet en fait de faire des foreach avec les promesses. Je voulais l'implémenter. On le fera peut-être tout à l'heure. On va le faire après ça. Mais je sais ce que c'est ça. D'accord. Alors vu que A est égal à 55, en fait 55 c'est un nombre. Mais la variable nombre, enfin une variable de type, enfin c'est un number de classe number. Et par conséquent, on peut utiliser les fonctions de number. Du coup, je peux modifier le prototypage des nombres pour que tout exponentiel, ça renvoie autre chose que 5,5 exponentiel de plus 1. Donc, le script il est simple. Là pour le coup le script est simple. Parce que j'ai déjà fait ça pour modifier des prototypages natifs. Ça arrive très peu hein, de faire ça. Hein. C'est. J'ai fait ça. Il y a des années que j'ai fait ça. Enfin, c'était. Dernier coup que j'ai fait ça, ça devait être en BTS. Mais on devait implémenter, on devait modifier. C'était quoi? C'était un exercice qu'on avait. On devait rajouter dans un prototype une fonction qui calculait automatiquement des valeurs de l'objet. C'était un truc dans le genre. C'était. Bref. Du coup. Bah c'est pas compliqué, c'est number. Point prototype. Et puis il me le propose en plus. Il me le propose directement. Et donc ça, c'est égal à. Et on va réécrire la fonction. Donc on fait function. Et puis on peut faire un return. Return. Return true. Peu importe la valeur en vrai, hein, du moment que c'est pas.
Unexpected token. 13,56. Ah, excusez-moi. Le truc, c'est que ça, c'est dans cet intervalle. If true, différent de... Parce que là, le truc, c'est que ça, c'est dans cet intervalle. Et donc, par conséquent, il va vérifier toutes les 15 minutes. Donc, je pense qu'il va falloir attendre 15 minutes pour que, malheureusement, il le prenne en compte. Parce que je vois pas autrement. Time compression. Donc, on définit un timer. On va voir si ça marche, arrive un moment. Là, c'est un peu dommage, il devrait mettre un set d'intervalle plus court pour qu'on ait le temps de... Enfin, que ça fonctionne, quoi. Ils le disent pas dans le truc. Dans ce que j'ai vu. Ouais, d'accord. Oui, donc c'est bien ce qu'ils disent dans la dans les hints, dans les indices. Il faut attendre que le set intervalle se relance. Du coup, on va devoir attendre un peu moins de 15 minutes pour que l'achievement se fasse. Mais en tout cas, ça fonctionne. Enfin, ça va fonctionner. Faut juste se laisser faire. On a modifié le prototype et par conséquent, c'est... Et d'ailleurs, c'est mal foutu. Parce que là, ce qu'il aurait fallu faire, parce que ça, c'est un truc qui va tourner en permanence tant qu'on n'a pas le. Enfin, qui va tourner en permanence même quand on aura obtenu le tempering en question. Enfin, le truc. Il aurait fallu faire ici un var SI, par exemple, moi j'appelle toujours SI cette variable-là, qui va récupérer l'identifiant de cet intervalle et faire un clear intervalle SI après le player. Comme ça aurait coupé le set intervalle, ça ne l'aurait pas relancé. Petite astuce, je vous le montre ça si vous voulez. Ça ne marche pas dans le jeu, hein, on peut pas utiliser les set intervalles et les set timeout. Mais je vous montre rapidement, si vous faites var de SI est égal à set. Ça, je vous donne l'astuce, ça peut toujours vous servir. Ça peut toujours vous servir. If. Alors là, j'ai marqué true parce qu'on s'en fiche, mais vous mettez votre condition. Votre condition pour que votre intervalle s'arrête. Et là, vous faites un clear intervalle de SI. Voilà. Ça aurait été bien de mettre donc cette variable, une variable comme ça et un clear intervalle SI après le player exploit. Parce que ça va tourner en boucle son truc là. Ça va être chiant. Mais ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Si vous voulez arrêter un intervalle sous certaines conditions, vous mettez votre condition d'arrêt ici
Et il faut récupérer. En fait, le set intervalle, quand il se définit, il renvoie un numéro. C'est un simple chiffre, c'est un entier. Et il faut garder cet entier-là en mémoire pour pouvoir couper le set intervalle si jamais il y a un souci. Ou si jamais. Donc, ça peut être une condition d'arrêt, mais ça peut être aussi une exception. Si vous savez qu'il y a un cas d'erreur que vous devez gérer, vous pouvez aussi le faire comme ça. Voilà. Et 1000, c'est parce que ça fait une seconde, je crois. C'est 1000 millisecondes. Voilà, ça c'est voilà, ça c'est une petite astuce en JS. Pour le coup, je connais qui est vieille. Oh, qui date même peut-être d'avant ES5. Alors, ça, pas de souci. Ça marchera toujours, quasiment. Y a pas de raison. Donc, le time compression, 7 timer 15 fois 1000, donc toutes les 15 secondes. Si c'est des millisecondes. Exploit include time compression. Oui, donc ok, d'accord. Last performance now. Function minute performance now, ça renvoie quoi ça? Performance, ça sort d'où? C'est plus au-dessus, non? Je vois pas d'où sort cet objet en fait. Je vois pas d'où vient l'objet performance. Bon, admettons. Function. Last là. Function minute. Donc maintenant. Performance. Oh, avec un Windows, est-ce que ça va plus marcher ça? Ah, c'est peut-être pour ça que les timeouts ne fonctionnent pas. Faudra que je teste. Alors, apparemment. Le truc, c'est le Performance Now. Je vois pas ce que c'est le Performance Now. Eh, ça y est! Notre exploit Thumping, il a été pris. Alors, oui, d'ailleurs, je voulais faire ça. Le truc, c'est qu'il va falloir le relancer à chaque fois que je lance le jeu, je crois. Non, pas forcément. Si je peux faire des imports, je peux le faire. On va faire ça. Je vous propose de passer à autre chose pour le moment. Faudrait que je retrouve la fonction, mais en soi c'est pas très compliqué. Mais ça permet de faire un. De garder un for each. Donc on va faire un ls. Non. Oui, si on va faire un ls quand même. Et on va faire un nano A5 for each point js. Du coup, ça pour le coup. On va l'appeler comme ça.
Il va falloir donc. Je vais en sortir. Mais non, mais en fait, c'est tout simplement. Un tableau et un callback. Ok. Là, on fait un fort. Pareil. Alors, j'ai vu qu'il y avait le off aussi qui existait. Je vais le ressortir le truc que j'avais vu. J'avais tapé. J'avais tapé JS. JS. Await. Voilà, c'est ça. For each async await. Et j'étais tombé là-dessus. Sur un script de monsieur Sébastien Chopin. Le mec a choisi son pseudo. Et la fonction, c'est ça. Attendez. Ah ouais, alors lui il écrit comme ça. On peut le laisser comme ça. On peut le laisser comme ça. Même si c'est moche. C'est moche, donc on va le faire à ma sauce. Par contre, c'est l'index. Enfin, c'est le. La... C'est valeur. D'accord, donc c'est. C'est valeur clé. C'est valeur clé. Du coup, on va plutôt l'écrire. On va garder le fameux in comme j'avais. Donc, du coup, c'est i. On va dire i pour index in array. Donc, il me faut ici un var. In array. Hop. Ici, on met un await callback. Ici, on va mettre donc array i. Donc, ça, c'est notre valeur. Ensuite, on va mettre i. Et enfin, on remet notre array. Ok, et du coup... En vrai, il n'y a pas besoin de l'export. Si, il va y avoir besoin de l'export. En vrai... Non, mais en vrai, excusez-moi, mais on va pas faire ça comme ça. Là, j'ai ma fonction asynchrone. Donc en vrai, on va juste la définir. Excusez-moi, hop, on va juste la définir comme ça. On va reprendre, hop. Bon, là je vais garder l'ENS, même si en soi l'ENS il est pas utile. C'est pas le but. Et donc là je fais array point prototype point
A5 for each est égal à en vrai je peux même faire comme ça. Et du coup, ici, le nom, j'ai plus besoin de le mettre. Voilà. Normalement, résultat, dans mes prototypes, maintenant, j'ai ça. On peut l'essayer. On va l'essayer. Oh zut, je l'ai mal écrit à 5. Aïe, parce que mon Y il passe mal sur mon clavier. Normalement, ça se... Du coup, ici, je mets tout simplement... Non, pas ici. Non, ça c'est le meta, ça on s'en fiche. Formation.js. Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Faut de guillemets, c'est ça. Mais zut, à n'importe. Ah, excusez-moi. Pourquoi il me le refuse? Enfin, pourquoi il me le souligne en rouge? Ok, là ça marche. Du coup, target. On va dire qu'on va prendre Noodle.
Je vais définir un tableau. On va dire qu'on s'en fiche, hein, c'est... Juste un instant. Ouais, ok, c'est bon. Je vais mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. On s'en fiche. Point à 5 for each. Donc c'est reconnu. Donc je fais function. Donc là, je fais pour chaque valeur. Je peux faire un ns. Print. Donc de v. Oh, rien, non, rien. Hop. Donc là, j'affiche un V. On va, ça va se passer 5 fois du coup. Et là, je fais un await. J'ai un doute. Attendez. J'ai un doute. Il est où? Un 5 for each. Là, j'ai un await. Oui, si, c'est ça, c'est un await. J'ai eu un doute si c'était pas un 5 qu'il fallait mettre. Mais non, c'est un await. Ok. Et du coup, si je fais await hack. Normalement, ça devrait marcher. Ça devrait être donc une fonction. Donc la fonction on l'a rajoutée et on l'a rajoutée au prototype des arrays. C'est pour ça en plus le fameux truc tampering, ça m'a fait penser à ça. Parce que c'est exactement le même principe, mais pour les tableaux, on rajoute une fonction et la fonction en fait elle va parcourir et faire le tableau. En fait, elle va faire exactement la même chose que for each, sauf qu'elle implémente la notion de promesse avec les mots async et await. Mais c'est exactement la même chose. C'est quasiment la même chose. On tente ça? Allez, on tente ça. Du coup... pourquoi il est... Mais sa valeur n'est jamais lue. Sa valeur n'est jamais lue parce que... parce qu'en vrai, elle s'auto-exécute. Ça retourne pas grand-chose. Parce qu'il est pas content parce que j'utilise pas à 5 for each. Mais en soi, c'est juste que... Ouais, si je l'exécute pas. Est-ce que ça gueule si je fais ça? Ça gueule si je fais ça. Alors. Mince. Et si je fais ça? Ça gueule aussi. Ça gueule tout le temps, quoi. Je peux pas faire de ça une fonction auto-exécutable.
Du coup, il faut systématiquement que je fasse un... parce que sinon la fonction n'est pas exécutée. Du coup, il faut que je fasse un var. Je vais appeler AF pour... allez, AFE pour asynchrone for each est égal à async for each. Voilà. Comme ça exécute la fonction et ça va modifier mon prototype. On tente. On tente ça. Du coup, run. Run test. Ah, tata, qui va là, la saute à 5 fonctions. Eh non, ça marche fort. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que ça me fatigue. Si je remets un A5 ici. Mais non, normalement, y a pas besoin. Enfin, peut-être. Peut-être qu'il y a besoin. On va le remettre. Faut peut-être remettre un A5 ici. Du coup. Il y a déjà une erreur un peu différente. End 8 20. E égale end 8 20. Papa, papa, papa. Object not exist. Un bundle, ressources. Ouh là là, j'ai touché un truc profond dans le jeu, visiblement. C'est une exception du jeu, ça. Il est pas content. Il est pas content. On s'en fout. C'est quoi cette erreur? D'accord, ok. Ah, d'accord. Ah, ok. Alors, comment je fais ça? Parce que je sais que ça, c'est possible. Mais ça remonte à trop loin, mes cours de JS, pour savoir faire ça. D'accord, ok. Alors, excusez-moi. On va... D'accord, l'usage est un poil différent. Mais on s'en sort. Du coup, tel que je l'ai écrit là, ma fonction for each, en fait... Donc, on va pas modifier le prototype. On va pas modifier le prototype. Et en fait, on va garder ça. On va exporter en fait la 5. Et en fait, on va faire ceci. Et donc j'ai pas besoin de l'appeler parce que bah, de toute façon je l'appelle plus bas. Et ça normalement c'est bon. Est-ce qu'il faut que je remette un await devant? On verra. Peut-être qu'il va falloir que je remette un await devant. Alors je sais pas combien de temps
Le hack prend de temps. Il s'est déjà arrêté. Il a noté 1 et il s'est arrêté. Pourquoi? Est-ce qu'il faut en avoir ici? J'ai sauvegardé là. C'est parce que j'ai pas sauvegardé. Cinq secondes. Voilà, donc là, le deuxième c'est fait. Et ça marche. Et ça marche! Ah! On va pouvoir refaire les forics. Mais un peu différent. C'est con ça, pourquoi je peux pas l'implémenter dans le... ça serait super de pouvoir l'implémenter. Je veux dire, le... ça c'est parce que il faut ça, mais le... Comment je peux faire ça? C'est... Oh zut. Si vous voulez, je sais qu'il existe, je sais que ça existe. C'est que quand on crée une fonction comme ça, il y a un truc à mettre ici, devant ou après, je sais plus. Il y a un truc à mettre là pour lui dire que le array, si je ne le renseigne pas, en fait, enfin, si je fais un tableau ou le nom d'une variable qui contient un tableau, point. À 5 for each, voilà, ça. Voilà. Si je fais ça, en fait, mon array ici, donc le premier argument, il devrait comprendre qu'il doit prendre ça. Mais il y a une manipulation à faire ici. Et je ne sais plus ce que c'est. Et si j'arrive à retrouver ça... En fait, je peux l'implémenter à directement à Array. Au prototype. Ajout à un prototype. Ajouter méthode à un prototype. Ajouter une méthode à un prototype. Tac, tac, tac. Ah. Faut utiliser ça. D'accord. Du coup... Faut se baser sur le proto, mais fait, faut le retirer et remplacer array par vis. Du coup, on va le faire. On va le faire.
C'est un A majuscule, sinon il comprend pas. Prototype. Point. La 5 function for x égale. Function. Un mot fort. Ok. Cette fonction, il faut qu'elle soit à 5. Ok. Et ici, on met le callback. Et ici, il faut mettre this. Et du coup là, si je fais ça, il devrait comprendre. Par contre, du coup, effectivement,